Les bords du canal Saint-Martin à Rennes. Au petit matin, ici, tout a l'air calme, mais dans le fond, tendez l'oreille. Ça s'agite. À deux pas de là, dans la cour de l'auberge de jeunesse, ils sont une vingtaine à s'échauffer le corps, la voix et la bonne humeur. La plupart sont étudiants et les voilà donc en stage de base BAFA, 8 premiers jours de formation générale, pour devenir animateur en centre de loisirs ou en colonie de vacances. Après l'échauffement ce matin-là, un jeu de rôle pour apprendre à gérer des situations désarmantes auxquelles ils risquent bien d'être confrontés. Je t'amène Marion, elle a vomi toute la nuit. Pour mettre en difficulté leurs petits camarades, certains stagiaires jouent des enfants qui sont malades, hyperactifs, en pleurs ou turbulents. En fait, être mono, c'est évidemment savoir animer des activités. C'est aussi enfiler l'habit de l'adulte responsable. On va balayer toute la semaine le rôle et les fonctions de l'animateur. Assurer la sécurité physique et affective des enfants, gérer la vie quotidienne sur un séjour, et puis bien évidemment faire des activités, des petits jeux, des grandes animations, s'intéresser aussi, leur faire passer les valeurs de la République. Qu'est-ce que ça leur permet aux enfants du coup quand ils ne sont pas avec les parents ? Beaucoup de séances de débriefing aussi, où l'on apprend par exemple à déceler des cas de maltraitance ou d'addiction. Un jour peut-être il faudra y faire face, il faut donc savoir y répondre. Nombreux sont les stagiaires qui, plus jeunes, sont partis en colo. Ils vont bientôt passer de l'autre côté. Les 2 semaines en stage pratique, c'est pour cet été. On a des choses à leur apporter, j'ai un peu gardé mon âme d'enfant. Et puis même si là on a tous entre 17 et 20 ans, on s'amuse toujours. Enfin, je prends toujours autant de plaisir à faire du bricolage, me déguiser. Faire ça pour des enfants, je trouve ça vraiment sympa. Et c'est l'occasion de trouver facilement du travail. Et c'est un travail épanouissant aussi. Après l'été, ils devront encore passer un stage dit d'approfondissement pour décrocher définitivement leur diplôme. Coût total de la formation, environ 850 euros. En colo, ils seront payés selon les contrats entre 35 et 60 euros par jour. Environ 5000 animateurs sont formés chaque année en Bretagne. Laurent Blouin pilote l'UFCV, ici sur la région. C'est le plus important des organismes de formation. Il explique que les centres de vacances sont un superbe outil pour l'épanouissement des enfants, mais que les colos connaissent malheureusement une désaffection depuis 30 ans, que l'âge d'or est derrière nous. Les colonies de vacances, c'est une histoire très ancienne. Ça date de la fin du 19e siècle, 1875 plus exactement. Et puis, ça a connu son âge d'or à l'après-guerre, à partir de 1945 jusqu'à 1965-70. Beaucoup d'enfants partaient en vacances. Et puis, bon, d'année en année, ce qu'on s'aperçoit depuis cet âge d'or, c'est que de moins en moins d'enfants partent aujourd'hui en vacances. Et ça s'explique comment, ça ? Le coût, principalement, c'est le coût des séjours qui, lui, n'a cessé d'augmenter. Et ce coût des séjours, qui ne cesse d'augmenter, est lié aussi à un accroissement des réglementations qui encadrent l'accueil des enfants, donc, sur les fameuses colos. Une semaine de colo aujourd'hui, ça coûte combien ? On est à peu près à 500 euros une semaine de vacances. Est-ce qu'il y a des couches de population qui partent et est-ce qu'il y en a d'autres qui partent moins ? Tout le monde ne part pas en colo. Il ne faut pas oublier qu'un enfant sur 4 ne part pas en vacances. Donc ça, c'est déjà un chiffre très important. Et puis, les enfants qui partent en colo sont des enfants qui bénéficient d'aide sociale. Voilà. Et puis, les enfants dont les parents peuvent payer des prix de séjour quand même qui ne cessent de croître. Et entre les deux, il y a toute une population d'enfants qui, elle, part de moins en moins en colo. La conséquence, c'est qu'il y a de moins en moins en fait, de mixité sociale dans les colonies de vacances. Et ça, c'est quelque chose à déplorer, parce que ce qui faisait, et ce qui fait toujours d'ailleurs, l'intérêt éducatif, c'est cette mixité sociale qui permet en fait à des enfants de toute classe de côtoyer des enfants d'autres classes, et ce, en fait, dans des moments privilégiés que sont en fait les vacances. Merci.